Un problème? Bah, d'habitude, je me déplace avec mon bâton. J'ai pas de monnaie sur moi, là. Laissez, c'est pour moi. Avec tout ce que vous faites, c'est la moindre des choses, chat noir. Merci, je vous revaudrai, chat. Je vous en prie. Bravo, chat noir. Y'a quoi à l'affiche? Les petits modous. Oh, on est là pour penser à autre chose, alors pas de comédie romantique. Captain Suprême, l'ultime duel? Si on pouvait éviter aussi les films de super-héros. Compris. Pourquoi pas Shark Tank contre Méca Tigre? Bon, vu le titre, je crois qu'on risque rien. Ne meurs pas, Shark Tank. Je t'ai toujours aimé. Moi aussi, Méca Tigre. Mais c'est impossible. Nous sommes ennemis jurés. Mais ils n'ont même pas de bouche. Comment ils peuvent s'embrasser? C'est écrit à l'avance, donc on sait que ça finira bien. Dans la vraie vie, tu sais jamais comment ça va se passer. C'est pas parce que tu dis à quelqu'un que tu l'aimes qu'il va tomber amoureux comme ça, comme par magie. N'en parle pas, si seulement c'était aussi facile. C'est pour ça que ça fait peur de dire à quelqu'un qu'on l'aime. Même sauver le monde à côté, ça paraît plus simple. Enfin, c'est ce que j'imagine. Tiens, regarde, quand vous devez sauver le monde avec Ladybug, toi, tu fonces dans le tas. Pas besoin de réfléchir. 2-3 blagues et hop, cataclysme, Lucky Charm, Miraculous Ladybug, et tout redevient comme avant. C'est trop facile. Disons que c'est un peu plus compliqué que ça, mais tu as raison. Mais dire à quelqu'un que tu l'aimes, si ça marche pas, le cataclysme, c'est dans ton cœur. Aucun Miraculous Ladybug ne peut réparer ça. C'est pour ça que j'arrive à rien avec les garçons. Quand ça devient important pour moi, j'ai tellement peur de faire une bêtise que j'ai besoin d'anticiper tout ce qui pourrait se passer. Alors, je m'invente des histoires de robes de mariée et de hamsters et ce que tout le monde voit, c'est pas Marinette qui ouvre son cœur. C'est Marinette qui dit les histoires sans queue ni tête qu'elle sait imaginer. Moi aussi, j'aime bien les hamsters. Et moi, j'aime bien regarder les films en silence. Il y a une option parapluie dans ton bateau? Bien sûr, les chats n'aiment pas l'eau. C'est marrant, tu sais, parce que je suis l'inverse de toi. Je sais que Ladybug n'est pas amoureuse, mais j'ai besoin de lui dire ce que je ressens. J'aimerais pouvoir aimer quelqu'un d'autre. C'est impossible, elle est tellement incroyable. J'ai peur de pas avoir été quelqu'un de bien et qu'à cause de ça, maintenant, elle me déteste. Elle te déteste pas, chat noir. Aujourd'hui, elle m'a quand même jeté dans une poubelle. T'es un bon chaton. Je suis sûre que tu vas trouver une solution. C'est impossible. Ladybug et chat noir sont faits l'un pour l'autre, je le sais. Ou alors, est-ce que c'est moi qui ai perdu le lien avec mes glaces et qui ne suis plus capable de comprendre ce qu'elles essaient de me dire? Les akumatisations, c'est comme les glaces. Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus y résister. Vole mon maléfique akuma et rapporte-moi un cornet au parfum de désespoir. Merci d'avoir voyagé avec Air Chat Noir. Nous espérons vous revoir très bientôt. Merci. C'était chouette. Pour moi aussi. Oh, attends! Et tes répétitions? Oh zut, j'avais complètement oublié. Vite, on se met en place, tu vas y arriver cette fois. J'en suis sûre. Cher... Ce sont Ladybug et Chat Noir qui doivent s'aimer, pas vous deux. Mes glaces ne se trompent jamais. Encore? Non, on s'aime pas, on répète ensemble. Reste à l'abri.